Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien parce que préparez-vous pour une bonne vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Il y a mes réseaux sociaux en description si vous voulez. Et puis aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ce sera les origines des personnages de Foot de rue Extrême. J'ai fait la même, mais pour Foot de rue, il y a quelques temps. Je vous laisse aller la voir si vous voulez. Et là, ça sera sur Foot de rue Extrême. Je vous mets la question du jour et ensuite, on commence la vidéo. On commence. Bon, vous savez que Foot de rue Extrême, c'est pas le dessin animé le plus développé. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnages où ça va être des théories où en fait, on connaît pas leur origine. Il y en a, on connaît, et il y aura des choses où vous allez être choqués, mais la plupart du temps, les origines n'ont pas été vraiment dites. Alors, on commence par le personnage principal, évidemment, Samy, qui est français, mais on sait pas du tout. Mais moi, je pense qu'il est italien, ce qui ressemble un peu vite fait à un italien. Et vu que la série est franco-italienne, peut-être que le personnage aussi, enfin, je sais pas. Mais moi, en tout cas, il est français et peut-être origine italien. Greg, lui, je sais pas, on va dire africain. Alors, oui, africain, c'est le continent, mais je pense qu'il est africain. Après, je sais pas de quel pays, peut-être le Congo. Le Mali, en fait je dis comme ça au hasard, mais je sais pas, dites-moi quand dire si vous savez, mais je sais pas. Joey, français, mais peut-être anglais, parce que avec le bonnet et même son style, là, le petit gilet et tout, ça fait un peu anglais. Du coup, peut-être qu'il est anglais. On continue avec Inès, qui est évidemment algérienne, hein, ça vous le savez, tout comme son père et tout. Donc voilà, elle est algérienne, donc s'il y a beaucoup d'Algériens... qui sont abonnés à moi, bah au moins il y a une Algérienne, parce que beaucoup se plaignaient qu'il n'y avait pas d'Algérien dans Foot de rue. Bah il y en a dans Foot de rue Extrême, ça c'est plutôt cool, surtout qu'Inès c'est un bon personnage, donc vous êtes bien représenté. Luna, bah je sais pas du tout, donc je dirais française, peut-être elle est un peu asiatique, il y en a qui disent, mais en vrai je sais pas trop. Ensuite Colin, donc l'ami et le voisin de Samy, bon lui je sais pas trop, mais on va dire français. Tag, évidemment, vous savez qu'il est argentin, on le sait grâce à Foot de rue. Et Louise, elle est américaine, brésilienne, française, enfin bref, c'est un mélange de plein d'origines. Et ça, par exemple, aussi, on le sait grâce à Foot de rue. Parce que Foot de rue Extrême, c'est tellement mal développé qu'ils disent pas. Ensuite, Ramon, donc le père de Tag, évidemment, il est aussi argentin. Isabelle, la mère de Samy, elle est française et italienne, je pense, comme Samy. Enfin, ça me paraît logique, du coup. Ensuite Paul, donc l'arbitre, je dirais français. Après peut-être qu'il a des origines brésiliennes ou argentines, vu que dans la cabine là où il travaille, il y a beaucoup de références au Brésil et à l'Argentine. Mais je pense qu'il est juste français. Après donc le père d'Inès, il est algérien. À ce qui paraît, il a joué dans l'équipe professionnelle de l'Algérie. Mais évidemment, c'est un mensonge qui est décrit par Inès. Sly, donc le capitaine des Darkseid, lui je ne sais pas, donc je dirais français. Après s'il est vraiment français, c'est la honte, hein, parce que vu comme il est chiant ce personnage, s'il est français, voilà quoi. Walter, le mec qui se croit le meilleur, alors ça je suis choqué, et vous pouvez même aller vérifier, il est suédois et irlandais. Pourquoi pas, moi je pensais qu'il était genre polonais, et non, il est suédois et irlandais, c'est incroyable je trouve. Ensuite Lila, donc la chef, non la capitaine, excusez-moi, des ninjas, elle est française, peut-être un peu asiatique, vu que, genre chinois, asiatique, vu que bah, c'est les ninjas, ils sont habillés en asiatique et tout, peut-être. Ensuite Lord, alors Lord lui, on sait pas, mais... Je pense qu'il est anglais parce que déjà Lord ça veut dire seigneur en anglais et quand il parle il a un accent un peu anglais et il a un style un peu anglais. Donc, moi je pense qu'il est genre origine anglais. Ensuite on a tous les Del Toro, que ce soit les trois jumeaux, que ce soit Zara, que ce soit même Bruno donc le capitaine ou voilà Zara là, celle qui est en couple avec Samy. Ils sont tous mexicains, ça je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo de la famille d'un foot de rue et donc ils sont tous mexicains. Voilà, c'est plutôt stylé. Ensuite, on a Pablo, le mec ultra timide là, mec super fort dans l'équipe des Magics. Et bah, lui, il est français, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est belge. Il a une petite tête de belge, j'ai l'impression qu'il est belge. Ensuite, on a Fino qui est français.
En fait, je sais pas, donc j'ai mis français. En fait, quand je sais pas, je mets français, parce qu'il vit en France, donc je mets français. Cassidy, elle est française, mais peut-être qu'elle est un peu russe, que je trouve, elle ressemble un peu à un russe, à une russe, et souvent les russes, ils sont représentés comme des belles filles et tout, donc peut-être que c'est une russe, je sais pas. Ensuite, Fat, en fait, Fat, je sais pas du tout, mais ils disent dans la série qu'il est asiatique. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, Corée, Japon, Chine, mais moi je pencherais plutôt sur Chine. En tout cas, je pense qu'il est chinois, mais en tout cas, il est asiatique, ça c'est sûr. Ensuite, Krina, elle est française, pareil, elle, c'est la honte si elle est française. C'est pas possible. Bilal, évidemment, Bilal, celui qui est handicapé, qui a une histoire terrible et choquante, j'ai pleuré devant, c'est faux, et ben il est algérien. Voilà, comme Inès, qui sont dans la même famille. C'est son cousin, je crois. Et puis ensuite, on finit par Dimi, le pote, l'ex-pote à Greg, qui est dans l'équipe des Darkseid, le plus gentil des Darkseid. Je mets africain. Donc, je sais pas trop, mais je pense qu'il est africain. Voilà. Après, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Parce que l'Afrique, c'est vaste. Donc, je sais pas trop, parce que c'est pas trop dit. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié des personnages. Normalement, j'ai mis les plus importants, ceux qu'on voit le plus. Donc, normalement, je les ai tous mis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Je vous répète, hein, mes réseaux sont en commentaire si ça vous intéresse. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bye.